Madame, monsieur, bonsoir. Des médias de l'entité d'occupation ont révélé aujourd'hui des conditions dictées pour libérer un certain nombre de prisonniers et des binationaux, tandis que d'autres informations confirmaient qu'un certain nombre d'entre eux étaient arrivés en Égypte. Un site de l'entité d'occupation révèle que le Hamas exige que 7000 camions chargés d'aide et de carburant soient amenés dans la bande de Gaza avant de libérer certains détenus. Le site internet ajoute que le mouvement a exprimé sa volonté de libérer des détenus civils vivants et ceux de nationalité étrangère en échange de la libération de 140 Palestiniens détenus dans les geôles d'occupation. Le Hamas exige également une prolongation du cessez-le-feu pour une période plus longue. Si l'accord sur les prisonniers se concrétise, cela se fera progressivement et en plusieurs tranches, indiquent ses sources. Il a également été rapporté d'autres informations faisant état d'un éventuel accord d'échange dans le cadre duquel environ 80 prisonniers civils et non militaires seraient libérés par étapes. L'accent sera mis sur les enfants, les femmes et les personnes âgées et les malades. En échange, l'entité d'occupation acceptera une trêve de quelques jours, entre 3 et 4 jours. Avec nous en ligne, monsieur Atili, shukran lihudurikum ma'ana Saidi, kunta نائب وزير الخارجية السيد عطيلي، ما هي خلفيات هذه المحادثات التي تجري في مصر؟ Israël insiste pour attribuer aux prisonniers le qualificatif de kidnappés. La notion de kidnappé est absolument différente. Le prisonnier a un statut juridique dans le droit international humanitaire. En revanche, le kidnapping est un crime. إسرائيل بتسمي الأسرى عند حماس مختطفين وبتسمي الأسير الفلسطيني معتقل بينما الأسير الفلسطيني يختلف تماما في وضع إسرائيل qualifie les prisonniers détenus par le Hamas de kidnappés. Elle qualifie le prisonnier palestinien de détenu. Le détenu israélien est un colonisateur criminel qui spolie des terres. Le détenu palestinien, en revanche, est un résistant. La résistance est un droit légitimé par le droit international. C'est pour cela qu'Israël insiste pour qu'il n'y ait pas d'échange. Son but est d'amener une victoire interne à Netanyahou à travers la libération des prisonniers détenus par le Hamas seulement. En revanche, l'Égypte et le Qatar insistent sur l'échange. وقطر يصر على التبادل. ماذا يعني التبادل لحماس؟ التبادل يعتبر انتصار كبير لحماس لأنه نهاية المطاف تسليم الأسرى لليهود يعتبر انتصارا لنتنياهو ولجيشه. L'échange constitue une grande victoire pour le Hamas, car au final, remettre les prisonniers aux Israéliens constitue une victoire à Netanyahou et à son armée. En même temps, il y a des raisons politiques. Le Mossad veut assurer une victoire à Netanyahou à travers la libération des prisonniers, sans condition. Netanyahou يقول للداخل الإسرائيلي أنه يدمر غزة. Netanyahou, dans son discours à consommation interne, dit qu'il va détruire Gaza et anéantir sa population pour libérer ses otages. S'il n'y arrive pas ainsi, ce sera à travers des négociations. Les médiateurs comprennent bien cela. Hamas insiste sur l'échange et rien d'autre. سيد عبد الله الأشعل، هذه المفاوضات يحضرها الموساد وحماس وكذلك المخابرات الأمريكية. ما هو دور الجانب الأمريكي في كذا محادثات؟ في مصر جه وفد من حماس. Il y a une délégation du Hamas et une délégation du Mossad pour assister aux négociations au Caire. Mais jusqu'à présent, Biden insiste et appuie son soutien à Israël. Car, et comme je l'ai déjà expliqué, l'échange signifie une victoire pour le Hamas. À l'inverse, la libération des détenus est une victoire pour Netanyahou et son armée. D'où la difficulté. Les médiateurs égyptiens et qataris tente d'arriver à une solution intermédiaire.
Israël refuse de longues trêves pour continuer à exercer des pressions sur le Hamas et la population de Gaza. Sayyid Abdallah Al-Ash'al, shukran jazilan li hudurikum ma'ana sayyidi, shukran. Shukran. Abdallah Al-Ash'al a été assistant du ministre des Affaires étrangères d'Égypte et il était avec nous à partir du Caire. Le Qatar travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur cette tâche essentielle. Le but est la libération de tous les civils, en particulier les civils étrangers. Nous avons besoin d'une période de calme pour laisser les médiateurs travailler au meilleur de leurs capacités. Des colons sionistes se sont rassemblés près de la ville palestinienne de Houara en Cisjordanie, jurant de faire disparaître la ville de l'existence. Les colons ont appelé l'armée d'occupation à continuer de fermer les magasins dans la rue menant à la ville de Houara et ont déclaré que les Palestiniens devaient, je cite, être liquidés. Les unités sont déployées dans les allées et les ruelles de Jenin pour défendre ce camp inébranlable. Les attaques de l'occupant sont quotidiennes. Mais nous sommes déterminés à repousser l'occupation par tous les moyens. En tant qu'enfant du camp de Jenin, vous grandissez en sachant que votre avenir se limite à trois choix. Martyr, prisonnier ou handicapé à cause de vos blessures. En février 2023, des colons ont attaqué la ville de Houara, rappelez-vous, et ils ont incendié des biens des citoyens palestiniens, notamment leurs maisons et leurs véhicules. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a affirmé au début du mois que la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie pourrait se retourner contre l'entité d'occupation, a-t-il dit, si elle n'était pas contrôlée. Avec nous en ligne, Monsieur Shaddad Atele, comment les Palestiniens font-ils face à la situation? Qui prévaut en Cisjordanie? On fait tout type de résistance. On a le droit de résister l'occupation. Ça fait presque 30 ans qu'on attend le processus de paix qu'on s'est engagé, qui nous donne notre État indépendant et souverain. Mais malheureusement, maintenant, avec ce gouvernement israélien fasciste et d'extrême droit, qu'ils n'ont pas mis la solution à deux États sur la table, qu'ils nous disent maintenant il y a trois options entre vous. Soit vous restez où vous êtes sans avoir un État, soit vous allez ailleurs, soit on va vous forcer d'accepter ce qu'on considère la Cisjordanie comme une partie du territoire israélien. Vous voyez la guerre et l'enfer qui se coule sur notre peuple à Gaza. On ne va pas accepter la solution future de Gaza soit séparée de la solution totale de l'État indépendant palestinien. Quand vous dites que vous n'acceptez pas que Gaza soit séparée de la Cisjordanie, est-ce qu'il vous semble... Bien sûr que oui. Oui, c'est certain. Gaza est également un territoire palestinien, M. Shaddad Atele. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble que c'est ce discours politique qu'il faut mettre en avant? Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il est temps, plutôt que de parler d'unité qui a longtemps traîné en longueur, est-ce qu'il ne faut pas plutôt serrer les rangs et tenir un discours de résistance unifié? Bien sûr, mais maintenant on ne parle pas sur le problème interne. Oui. On se concentre sur cesser le feu à Gaza. On termine cet enfer. Après, la solution, c'est une solution palestinienne. C'est une solution d'unité entre tous les Palestiniens, de gauche à de droite. Il n'y a pas une division comme était le cas le temps d'avant. Cette division a effectivement politique par ailleurs et qui a profité à certains politiques, a aussi profité aux forces d'occupation. Monsieur Shaddad Atele, aujourd'hui Jenin, nous avons également d'autres localités en Cisjordanie qui sont prises pour cible. Les maisons sont vidées des Palestiniens habitent. C'est partout, madame. Il y a l'évasion de Jenin quotidienne. C'est pareil comme à Hébron, c'est pareil comme à Bethlehem, et c'est comme Jérusalem-Est, c'est à Ramallah, c'est tout. Il y a l'évasion des forces d'occupation israéliennes. C'est chaque jour, depuis le 7 octobre, oui. Il y a 187 martyrisés quotidiennes, attaques israéliennes contre le peuple, contre les civils palestiniens. Combien de martyrs en Cisjordanie, monsieur Shaddad Atele? Depuis le 7 octobre, c'est 187. 187. Et la dernière, c'était ce matin, c'est une chauffeur de taxi. Elle était en train d'aller pour faire le prière de l'Fajr. Elle est âgée de 66 ans. Il faut que la communauté internationale s'engage dans les solutions politiques. 30 ans depuis le processus de paix, 30 ans depuis le Oslo Accord,
mais il n'était pas sérieux de maintenir la solution à deux États et de créer l'État palestinien. Tout le monde maintenant, il voit que le problème, ça vient du côté israélien, de l'occupation et côté aussi international. Monsieur Shadat Atelé, vous rendez-vous compte aujourd'hui, en Palestine, que vous bénéficiez du soutien des populations à travers le monde, quelles que soient les capitales? À Londres, la mobilisation a conduit à la destitution de la ministre de l'Intérieur. Dans d'autres capitales, les gouvernements ont été poussés dans leur dernier retranchement. Ils se prononcent très peu, ou alors ils se prononcent de façon discrète pour ne pas subir le contre-coup des populations. Est-ce que l'autorité palestinienne se rend compte que la Palestine bénéficie du soutien des populations et non des gouvernements en place? Tout à fait. C'est pas seulement l'autorité palestinienne. Le peuple palestinien a senti les solidarités mondiales avec la cause palestinienne. Ce qu'on a failli de le montrer à tout le monde, le vrai visage de l'occupation israélienne, ce gouvernement, ces attaques, ces guerres sur notre peuple civil, à Gaza, sur notre enfant, sur notre bébé, il le montre le vrai visage barbarique de l'État israélien, de l'État occupant de notre terre. C'est une victoire, malgré tout, les tristesses, malgré tout, les massacres qui sont subis, soit en Cisjordanie, soit à Gaza. Et par ailleurs, ce qui se passe à Gaza, oui, ça nous rappelle ce qui est passé l'année de 1988. C'est ça qui était passé avec notre parents, notre grands-parents, qu'ils ont fait des massacres dans les villages palestiniens, dans tous les coins palestiniens. Comment ils ont forcé les gens de quitter leur maison? Comment ils ont forcé les gens de se déplacer? C'est ça. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il était créé le problème de l'année 88 et les réfugiés dans le monde entier, y compris la Cisjordanie et Gaza. Par ailleurs, vous savez, le peuple de Gaza, 80% sont des réfugiés. Et maintenant, ils les demandent de quitter Gaza de nouveau. C'est pas acceptable. C'est pas pour nous, c'est pas pour vous, c'est pas pour le monde arabe, c'est pas pour le monde islamique. Tous les mondes entiers qui maintenant, qui résistent, qui voient comment Israël fait une violation du droit international. Tous les droits internationaux, les conventions de Genève. Monsieur Shaddad Atelé, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Shaddad Atelé a été ministre palestinien et il était avec nous à partir de Ramallah. La situation catastrophique dans le complexe médical d'Al-Shifa s'aggrave et toute personne se déplaçant dans l'enceinte de l'hôpital est prise pour cible, ce qui rend impossible l'entrée ou la sortie. Il n'y a pas de passage sécurisé, ni du côté ouest, ni du côté est de l'hôpital d'Al-Shifa. Le directeur des affaires de l'UNRWA dans la bande de Gaza, Thomas White, a prévenu aujourd'hui que les opérations humanitaires dans la bande de Gaza s'arrêteraient dans les prochaines 48 heures, car le carburant n'est pas autorisé à rentrer dans l'enclave. Il a ajouté, ce matin, deux de nos principaux réservoirs de distribution d'eau ont cessé de fonctionner. Ils sont tout simplement tombés en panne de carburant, ce qui privera 200 000 personnes d'eau potable. De son côté, Philippe Lazzarini, commissaire général de l'agence, a confirmé que le carburant était épuisé dans l'entrepôt de l'UNRWA dans la bande de Gaza et que d'ici quelques jours, nous ne pourrions plus, dira-t-il, réapprovisionner les hôpitaux, évacuer les eaux usées et fournir de l'eau potable. Monsieur Jean-Victor Nkolo, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été porte-parole du président de la 65e Assemblée générale de l'ONU, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Monsieur Victor Nkolo, aujourd'hui, rien ne semble arrêter les forces d'occupation dans leur folie meurtrière. Ni les appels de l'ONU, ni Guterres, rien ne les arrête. Je voudrais tout d'abord commencer par honorer la mémoire de ceux et de celles des collègues des Nations Unies qui ont perdu la vie à Gaza depuis le 7 octobre. Plus de 100 collègues essentiellement travaillant pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Gaza, ont été tués. Vous savez, j'ai travaillé dans 10 missions de maintien de la paix sur 3 continents. Mm-hmm. Et chaque fois que nous perdions un collègue, j'étais parfois responsable dans une région, et nous trouvions que perdre un collègue qui quittait sa famille et qui allait au service de l'humanité pour aider, perdre un collègue, c'était déjà une calamité.
Et là, vous imaginez que l'ONU a perdu une centaine de personnes, parfois avec leurs familles, dans un temps très restreint et dans un espace très étroit. Cela est une véritable calamité. Et il faut véritablement respecter et honorer tous ceux qui continuent, malgré les circonstances, à donner leur temps et à exposer leur vie pour aider les Gazaouis. La situation est véritablement terrible et il faut véritablement que la communauté internationale écoute l'appel que le secrétaire général Antonio Guterres a lancé. Il faut une cessation immédiate des hostilités, ne serait-ce que sur la base humanitaire. Et le secrétaire général n'est d'ailleurs pas le seul à avoir fait cette demande. L'appel du secrétaire général de l'ONU a été vilipendé, monsieur Jean-Victor Nkolo. Ce conflit et le fait que ces appels ne sont pas écoutés, ou alors qu'il n'y a pas une véritable mise en route d'un plan ou d'engagement qui permettrait de cesser les hostilités, veut bien simplement illustrer le fait qu'il est en réalité temps que l'on revoit le dispositif qui permet, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité d'être l'organe suprême qui est responsable de la paix et de la sécurité internationale. Parce que le secrétaire général, vous savez, il ne fait que servir les intérêts du secrétariat, mais il revient en réalité au Conseil de sécurité de légiférer et de décider. C'est au Conseil de sécurité que revient la responsabilité, y compris par l'articulation de l'article 7 de la charte, de faire quelque chose. Mais tant que le Conseil est divisé, tant que ce Conseil qui a été créé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ne représente véritablement pas le monde tel qu'il est aujourd'hui, alors qu'il ne représente que le monde tel qu'il était il y a plus de 75 ans, eh bien nous avons là une véritable situation qu'il faut véritablement résoudre. C'est pour cela que le président de l'Assemblée générale à sa 64e session, feu Dr Abdusalam Kriki, oui, le Libyen, qui présidait l'Assemblée générale, avait lancé ce mot d'ordre important qui était celui d'une réforme des institutions des Nations Unies. Monsieur Jean-Victor Nkolo, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. C'est moi. Jean-Victor Nkolo a été porte-parole du président de la 65e Assemblée Générale de l'ONU et il était avec nous à partir de New York. Cette émission spéciale Palestine arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro consacré à la Palestine occupée. We'll be right back.